Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu un petit peu là, je me suis fait un thé ce matin. C'est supposé s'ouvrir en fleurs. Moi j'étais genre, je pensais que quand j'allais le mettre, ça allait tout de suite s'ouvrir. Mais ça doit prendre plus de temps. En tout cas, on va regarder ça ensemble. C'est ma belle-mère qui avait mis ça dans le bon Noël à mon chum. Ça commence à s'ouvrir. En tout cas, on regardera le résultat final. Qu'est-ce que ça donne sur un thé vert, dans le fond, au jasmin. Puis, c'est ça, ce matin, on n'a pas grand-chose à manger. On est tellement dit pour aller faire notre Costco. On va y aller demain, d'ailleurs. Puis, c'est ça, là, on fait dur en fruits, puis tout ça. Une chance, j'avais mon petit pot de pamplemousse comme ça de chez Costco. Ils sont juste tellement bons, là, je vous dis, là. Puis sinon, j'ai vu aussi qu'on avait des bananes. Donc, je vais probablement faire. Puis, tu sais, on a genre plus de pain, on a plus de fromage. Et ça va vraiment mal, là. Tu sais, on a plus d'essentiel. Enfin, mes cheveux sont comme bizarres, en tout cas. Mais c'est ça, j'ai vu qu'on avait des bananes. Fait que je vais faire probablement des petits pancakes aux bananes, là. Fait que dans le fond, on vient écraser une banane, on met farine, œuf. Je prends souvent la recette de Marie-Lou de 3 fois par jour. Fait que je pense qu'on va faire ça. Tu sais, ça va être quand même assez santé. Avec du sirop d'érable ou même avec le genre de Nutella qu'on a reçu. Ouais. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, hier, j'ai pris congé. Je filais comme vraiment pas. C'est bizarre, cette semaine, j'avais comme... Tu sais, quand on a la grippe, genre, puis qu'on a mal partout, on se sent fatigué, ben j'avais ça, mais j'avais pas comme d'écoulement. J'avais une petite affaire, mal à la gorge, mais vraiment pas si intense. Pas de tout, rien. C'est comme vraiment... Une grippe musculaire, là, c'était vraiment bizarre. C'est la première fois que ça m'arrivait. Fait que, dans le fond, mercredi, je travaillais de la maison. Puis ça avait commencé lundi soir, comme que j'étais toi qui es un petit canard. Mardi, c'était correct. Mercredi, je travaillais de la maison. Puis là, je m'endurais plus, là. Oh, Seigneur, genre, je n'ai même pas été capable de faire mon après-midi. J'ai fait une sieste. Puis c'est ça. Hey, mon chum, en plus, mon chum était là mercredi soir. Puis genre, je m'endurais plus, j'avais de la misère. Là. Il me posait des questions, puis genre, j'étais comme, oh, arrête de me parler. je suis pas capable. Ça arrive, hein, des fois. C'est ça. Quand on est malade, là, oh là là, mais une chance, il était bien patient, puis il était bien fin, là, avec moi. Mais j'avais mal ça à chaque muscle, là, et je te dis. Oh, ça s'est ouvert! Regardez, oh mon dieu, ça fait quasiment peur. Regardez ça. Ça fait un peu peur, hein? C'est beau. Je sais que t'as trouvé ça beau. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ouais. Banjo. Je suis allée jeter ma petite fleur parce qu'il fallait juste la laisser infuser comme 10 minutes. Puis, je l'ai mis dans l'évier. En dessous comme de la vaisselle parce que c'est mon chum qui fait la vaisselle. J'ai hâte de voir sa face. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est beau quand tu le sais, mais quand tu le sais pas, c'est pas cute. Fait qu'on va goûter ensemble. Oh, c'est très bon, c'est très floral. Ouais. Puis, en parlant de floral, on va parler de plantes. dans le fond, là, j'ai fait une story hier. Parce que j'ai comme fait un peu revivre là, ma Pilea peperomioïde. Oui, je l'ai. Elle était comme plus au soleil. Elle était comme genre juste à côté de la télé. Puis je pense qu'elle avait vraiment passé son spot. Puis là, je l'ai mis au soleil et elle revit. Là. Mais ses fleurs, ses feuilles restent quand même petites. Ben ces nouvelles sont pas si pires. Mais ils viennent à comme rouler de même. Ça veut dire qu'elle manque d'eau. Mais je l'arrose genre 2-3 fois semaine, ce qui est vraiment beaucoup parce qu'on est supposé comme l'arroser une fois ou deux semaines l'hiver. Là, je sais qu'elle fait comme plein de petites feuilles. Là, on en fait comme une ou deux jours. Là, je sais pas si on peut voir, il y en a une. Il y en a une ici, là. On en fait comme une ou deux jours. Fait qu'elle est vraiment en feu. Puis là, j'étais comme toute fière. J'étais là, ah, elle est revenue comme avant, elle est aussi belle. Puis je suis retombée sur une photo de comment elle était avant. Non, elle est vraiment pas revenue comme avant.
Puis sinon, son petit bébé ici, il se porte quand même bien. Il y a quelqu'un qui m'a donné un truc de lui donner un bain de soleil, un bain de soleil, un bain d'eau, comme de mettre de l'eau dans l'évier, la laisser comme 20 minutes là. Puis c'est ça, elle va comme s'abreuver. Fait, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Puis sinon, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux faire mes impôts. Parce que, ben nos impôts, parce que dans le fond, on a mis beaucoup d'argent dans le REER pour pouvoir rapper avec l'achat de notre première maison. Donc, on va recevoir un pas pire retour d'impôts, fait que je suis assez contente. Fait que je veux les faire assez rapidement pour le recevoir le plus vite possible. J'ai jamais été autant pressée de faire mes impôts. Puis on a toutes reçu nos documents, fait que je vais faire ça. Ça sera pas super long. Là. Moi, j'utilise dans le fond le logiciel, l'application internet, puis dans le fond le site web Impôts Experts. Puis je vous le conseille vraiment. C'est super facile, je trouve. C'est pas trop compliqué. C'est sûr que moi, tu sais, j'ai quand même une bonne base en impôts à cause que j'ai étudié en comptabilité, là, malgré que je suis pas une fiscaliste. Là. Mais tu sais, je suis capable de me débrouiller. Là. Puis surtout qu'on n'a pas des choses très très compliquées. Là. Tu sais, on n'est pas des travailleurs autonomes ou quoi que ce soit. Fait que voilà. Et c'est quoi je voulais dire d'autre? Ben c'est pas mal ça. Fait que. Ah ben c'est ça aussi ce soir, dans le fond. Je m'en rappelais plus sur quoi que j'étais. Je m'alignais à parler. Puis ce soir, dans le fond, on s'en va voir. On s'en va voir moi, Banjo. On s'en va souper chez mon papa. Fait que ça va être vraiment le fun. Je pense qu'il va faire une raclette. Fait que ça va être super bon. J'aime vraiment ça, puis j'en ai pas mangé, je pense, cet hiver encore. On a mangé beaucoup de fondue, de la fondue au fromage, mais on n'a pas mangé de raclette. Fait que ça va être vraiment bon. Sinon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, là. Ça va être relax, parce que c'est ça, je veux pas non plus retomber dans ma grippe, malgré que ça va super bien quand même aujourd'hui. Alors, ça va ressembler à ça, puis ben là, je vais relaxer un petit peu. Et après ça, je m'attaque à mon planning de la journée. Début d'après-midi. Dans le fond, ce matin, on a comme déjeuné tranquillement. Puis après ça, j'ai fait pas mal de ménage. J'ai lavé la salle de bain. J'ai parti une brassée de lavage, dans le fond, le lavage de mon lit, qui est en train de sécher en ce moment. On a fait toute la vaisselle, vidé la vaisselle. Je suis en train de donner aussi un bain à mes plantes, parce que vous étiez plusieurs à me l'avoir recommandé sur Instagram. J'ai dépoileté le chien. J'invente un nouveau mot parce que c'est ça, il est comme en période de mue puis il y a pas mal de poils. Puis dans le fond, quand je vais être partie, je vais partir ma iRobot. Puis là, ça me fait penser d'ailleurs que vous êtes plusieurs à me poser. C'est comme la question que je me fais le plus poser, à savoir comment que j'aime ma fameuse balayeuse robotisée. Fait que là, je vais mettre ça clair là, dans ce vlog ici, enfin. À chaque fois, je dis je vais en parler dans mes vlogs, mais j'oublie. Maudit, fait que on l'aime vraiment beaucoup. Sérieusement, on s'en passerait plus. Nous, c'est la iRobot Roomba E5. Il y a plusieurs modèles, mais en fait, nous, la E5, on avait trouvé sur Internet que c'était une des meilleures là, niveau poil long d'animal. Parce que poil court, c'est même une autre.
Il y a un autre modèle encore mieux, mais c'est genre 1 500 $, là. Fait qu'il y a quand même des limites, là. Puis c'est ça, celle-là, on l'aime beaucoup, là, comment que les... Dans le fond, comment que les brosses sont faites, ça fait en sorte que le poil jambe moins. Puis le récipient, il est un petit peu plus gros que les autres. Le récipient en cochonnerie, en beau français. Puis c'est ça, dans le fond, on l'aime vraiment beaucoup. Nous, on la part quand on est absent parce que c'est quand même bruyant. Puis c'est quand même long. Fait que si on la part quand on est à la maison, c'est comme... C'est so-so, mais tu sais, c'est correct aussi. Là, ça dépend c'est quoi vous faites, là. Puis si ça vous dérange tant un bruit de balayeuse. Regardez, je peux la partir, vous montrer, admettons, qu'est-ce que ça fait comme bruit un petit peu. Bon, je vous montrerai quand je la partirai, dans le fond. Puis, dans le fond, nous, c'est ça, Banjo est en cage, fait qu'il n'y a pas de risque... premièrement, il n'y a pas vraiment peur de la Roomba, mais dans le fond, le risque avec les animaux, c'est que s'il arrive un petit dégât, comme un pipi, un caca ou un vomi, et que Roomba rentre là-dedans, elle vous étend votre marde et votre vomi partout. C'est qu'est-ce qu'on m'a dit. Par contre... Je sais pas si c'est encore possible parce que nous, dans le fond, c'est comme relié avec notre téléphone. Dans le fond, on peut la partir avec notre téléphone, on peut l'arrêter. Puis, elle nous envoie des applications, des notifications plutôt, quand, mettons, elle est prise dans un coin, qu'elle n'est pas capable de sortir. L'autre jour, il y avait comme les sacs à caca à Banjo qu'on avait laissé par terre, puis elle les a aspirés, puis ça s'est mis à s'enrouler alentour des brosses. Puis elle nous a envoyé un message comme « Ah, mes brosses sont prises, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, on l'avait comme arrêté. Fait que, tu sais, j'imagine que quand il y aurait de la cochonnerie de même, elle nous le dirait. C'est peut-être dans les anciens modèles, en tout cas. Il y en avait plusieurs qui m'envoyaient leurs témoignages, puis j'étais comme « Oh my God, pauvre eux! » Mais nous, de toute manière, c'est Banjo est en cage, fait qu'il arrive pas vraiment d'accident. Puis sinon, si mon chum l'en part souvent, quand, mettons, il va prendre une marche ou jouer dehors avec Banjo, on la passe, nous, aux 2 jours. On pourrait la partir à chaque jour. Je parce que mon chum, tu sais, dans le fond, il fait le petit soin entre les passages. Il faut quand même nettoyer les brosses, enlever un petit peu le poil qui est resté quand même un petit peu pris, vider le récipient. Fait qu'il préfère le faire aux 2 jours. Puis c'est ça, on aime vraiment ça. Par contre, c'est sûr, ça remplace pas à 100% une vraie balayeuse. Dans le sens que nous, ça va espacer nos grosses balayeuses. Donc, on faisait 2 à 3 balayeuses par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Dans le fond, là, on en fait comme 1 ou 2 semaines, 1 ou 3 semaines, même une fois par mois, des fois. C'est juste que, tu sais, des fois, elle passe pas à des endroits où est-ce que c'est un peu plus serré. Elle passe en dessous des meubles, il y a pas de problème, rien. Parenthèse, dans le vlog, il est comme un peu... Ça fait 15 minutes que je vous ai parlé, en fait. Puis, j'étais dans le salon. Puis, je me suis dit, je leur ai pas parlé de quoi important. C'est que avec les tapis, ça fonctionne super, super bien. Elle passe par-dessus les tapis, rien de là. Par contre, on a remarqué que ce qu'elle va venir faire sur notre tapis de salon, qui est un petit peu plus shaggy, c'est qu'elle vient faire comme des mottes de poils, genre. Comme elle va ramener le poil, puis ça fait faire une motte de poils. Fait que dans le fond, on a juste à les ramasser à la main, là. Ça va faire comme 2-3 mottes de poils. Elle les absorbe moins bien, je trouve. T'sais, elle les aspire pas, mais elle les ramasse quand même. C'est juste qu'ils viennent par batch, t'sais. Fait que plus qu'elle avance, ben il y a des petites patches qui viennent plus sur le bord, là. Puis on les ramasse, ça se fait super bien. Fait que c'était ma parenthèse. Mais t'sais... Admettons, nous, on a des maudites moulures de même, là, que c'est les nouvelles moulures de construction, là. Puis, d'ailleurs, si vous changez de moulure, là, Céline me revient en face, je vous dis de vraiment pas aller avec ça parce que ça ramasse tellement gros la poussière sur le dessus à comparer à des moulures un peu plus rondes, là, que, tu sais, des moulures rondes, on dirait que quand il y a des va-et-vient, mais c'est correct, comme la poussière s'en va, mais ça ramasse une couche de poussière, puis nos portes aussi ici, là. Genre, ça te ramasse la poussière, là, regardez. Puis mon chum, il les a faites, puis il y a pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, faut quand même... C'est plus pour ces choses-là, dans le fond, que nous, on fait la balayeuse, on vient passer sur les moulures, sur les portes, des fois aussi sur les comptoirs, tu sais. Fait que, c'est là, c'est sûr, ça fait pas ça, une iRobot. Fait que je vous dirais, tu sais, comme une fois par mois, d'aller faire au moins les moulures, ou une fois ou 2 semaines, là... Ben c'est fait, puis il y a quelques meubles qui passent pas en dessous, là, ou
y a comme des fils, puis tu sais, des fois, le poil se mélange dans les fils d'Internet, tout ça, puis quand il y a des fils, ben, tu sais, elle va pas dedans pour toutes les... Comment dire? Comme elle est assez intelligente pour détecter que, tu sais, faut pas qu'elle y aille proche des fils trop, parce que, ben, ça va déploguer nos affaires. mais sinon, elle va vraiment super bien, ça ramasse A1. C'est vraiment comme une vraie balayeuse, là. Fait que moi, en tout cas, je vous la conseille vraiment. C'est sûr, c'est un bon investissement, puis c'est sûr, ça remplace pas une balayeuse. Je vous dirais que si je m'en allais en appartement, là, puis que j'avais vraiment pas de balayeuse, j'irais plus vers une balayeuse de type balai. Tu sais, un peu comme la Dyson, admettons, ou est-ce que c'est vraiment juste ton manche, puis tu viens vider. J'irais plus vers ça. Mais là, étant donné qu'on avait déjà une balayeuse, ben on a comme opté pour ce petit luxe-là, mais je pense pas que tu peux vraiment... Ben, tu peux t'en tirer avec le iRobot, mais tu sais, il va falloir que soit tu viennes avec un balai, justement, enlever les trucs en dessous de tes meubles ou sur tes moulures, tu sais, c'est faisable. Ouais, je pense que c'est quand même faisable. Mais aussi, tu sais, ça ramassera pas des dégâts, tu sais, admettons que tu brises un verre, tu sais, c'est quand même... c'est pas fait vraiment pour ça. Fait que, bref, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, je vous dirais vraiment de magasiner vos modèles parce que chaque modèle ont comme des spécifications un petit peu plus différentes là, dans le sens que tu sais, il y en a qui sont pour animaux, d'autres pas pour animaux, d'autres qui ramassent encore plus genre la poussière, tu sais, nous être plus experte en poils là, je vous dirais. Fait que bref, ils ont toute leur petite expertise. Mais on l'aime vraiment beaucoup. Fait que ben c'est ça là, dans le fond, je m'apprête à partir, il est 2h30. J'aimerais ça, c'est ça, aller dans le quartier chez mon père faire une belle marche dans mon quartier d'enfance, dans le fond, avec Banjo. Parce que tant qu'à faire une marche ici, ben ça va faire un petit peu différent, puis il fait super beau. Donc, je pense que je vais arriver là un petit peu à l'avance, puis aller faire une bonne marche, de genre un bon 30-40 minutes. Puis là, je vais sortir ma plante de son bain, parce que là, elle a assez baigné. Mais ça y a fait vraiment du bien, là. Ouais. J'ai ma belle melasse à l'arrière, parce que... Et sur le bord d'être expirée, elle expire comme à la mi-mars. Fait que je me suis dit, ben, on va faire des galettes à molasse. Puis je pense pas qu'on va toutes l'utiliser, là. Ça doit se garder quand même assez longtemps, mais au moins ça sera ça, là. Puis on en congèlera. Il me semble que c'est bon, des galettes à molasse. Puis voilà. Et sinon aussi, cet avant-midi, ben, j'ai fait mes impôts. Et ben, il me reste juste comme à revalider, là. Tu sais, j'aime toujours ça le faire comme en deux shots, là, une fois que je le fais, puis après ça, une autre que je fais juste comme valider mes choses, puis m'assurer que tout est beau. Et sinon, j'ai comme tout dressé une liste aussi, là. Ben, en fait, on avait déjà fait, là, une liste de toutes nos rénovations parce qu'on en a juste tellement là, à faire. Tu sais, on fait vraiment comme un flip de maison, mais une maison qui est encore potable, là. Je sais pas comment dire, c'est pas un gros flip non plus, là. Tu sais, dans le fond, c'est juste superficiel, là. Mais... Puis, tu sais, on change vraiment pas tout, là. Je dis un gros flip, là, mais, tu sais, on n'abat pas de mur, on change pas rien, là. C'est sûr qu'on peinture, puis qu'on change la céramique, mais le plancher reste pareil, là. Mais bref, j'ai comme toute fait une liste pour nous timer, parce que c'est un peu un casse-tête, là, à penser à tout ça, avec aussi la main-d'œuvre qui va venir. Tu sais, mettons, on fait sabler notre plancher, mais là, quand on fait sabler notre plancher, faudrait que ça soit avant de peinturer, parce que tu veux pas que toute la poussière reste sur ta peinture neuve. Mais ça serait bien que, admettons, le plafond soit peinturé. Comme ça, s'il y a des gouttelettes, ben là, ils vont être sablés, des gouttelettes de peinture. Là, admettons, après ça, tu peintures les murs. Mais là, admettons, on veut changer un luminaire. Fait que là, il faut comme essayer de tout emboîter ça. Puis tout, aussi, sans savoir encore, nos rendez-vous vont être quand. Parce que, tu sais, les personnes, les entrepreneurs en construction, là, des fois, ben, tu sais, ils planifient pas ça, là, 5 mois à l'avance, là. ben, là, c'est 3 mois, là. Tu sais, c'est quand même un peu plus avec... c'est tout dépendant de leur gros job, tu sais, leur gros contrat. Parce que, tu sais, nous, c'est des petites affaires. On fait pas faire comme un gros contrat. Fait que, bref, on faisait une liste, puis on jouait un petit peu avec ça, là. Puis aussi, tu sais, pour savoir... Il y a beaucoup de gens qui veulent venir nous aider, mais, tu sais, pour leur donner un petit peu un guideline de qu'est-ce qu'on va faire et tout. Fait que on a travaillé pas mal là-dessus. Sinon, j'ai... pas mal à regarder les électros également. Fait que bref, j'ai fait de la petite paperasse comme ça de bureau. Ça a passé quand même vite. Et ben là, c'est ça. Je me dirige à y aller. Là, j'arrête de jaser. Bon, fait que je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ma routine quand je pars la Roomba.
La iRobot. Donc là, je suis venue comme nettoyer les brosses, enlever le poil qui restait jamais, puis vider la petite corbeille. Puis, dans le fond, je suis venue. Moi, j'enlève les chaises ici. Parce qu'à cause de la cage à banjo, là, c'est vraiment serré, là. Tu sais, si vous avez une maison, puis vous avez de la place, vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, je l'ai fait parce que sinon, elle reste comme pris, là, puis ça gosse un petit peu. Fait que comme ça. Puis, je suis venue aussi enlever une chaise parce qu'encore une fois, tu sais, comme on a trop de choses alentour de la table, là, c'est temporaire. C'est ça, dans le fond, je viens de voir que j'avais laissé le bac. Non, banjo. Banjo! Non. Non, banjo! Non! J'avais laissé le bac à banjo par terre. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, ce que je viens faire aussi, vous allez voir des mottes de poils un peu partout, là, durant ce petit clip-là. Parce que dans le fond, tu sais, je viens comme enlever les poils sous les en dessous de chaise qui peut rester pogné, là, après le petit. Je sais pas comment se dire, là. Le petit coussin qu'on met autour des chaises. Et jouer à banjo encore. Après ça, je suis venue comme voir les fils, s'il y avait rien qui traînait. Il y a rien qui traîne ici. Les fils aussi. Dans la cuisine, on n'a jamais rien à faire, vraiment. Dans l'entrée, c'est juste comme de ramasser les bottes puis tout ça. Souvent aussi, j'enlève le plateau. Puis je vais venir le mettre dans la salle de bain. Dans la salle de bain, j'ai comme mis le bac à linge. Comme ça. Puis aussi, petit truc, c'est de venir enlever les poils derrière les portes parce que elle va pas fermer puis ouvrir les portes, tout ça. Puis la même chose ici, là, j'ai enlevé le coussin à banjo. J'ai comme surélevé tous les petits fils qu'il y avait là. Puis ça ressemble un peu à ça. Fait que on va la partir ensemble, puis vous allez voir ça fait quoi comme bruit. Oups, c'est vrai, il faut peser deux fois. Yesers. Bon, Phil, elle s'était pas remise sur son socle correctement. Fait que elle a pas de pile. Je vais la partir de chez nous, de mon application. Mais je vais quand même insérer un clip ici là, pour que vous entendiez le bruit. Là. Je le mettrai quitte le lendemain matin ou quand je fais le montage pour que vous entendez un petit peu qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est ça, des fois elle se remet mal sur son socle. Chez mon papa. Fait que c'était vraiment le fun. On a fait un beau souper fondu. C'était vraiment très bon. Il y avait, dans le fond, il y avait sa nouvelle copine. Ça fait quand même un bout, je pense, mais c'était la première fois que je la voyais. Puis elle était super gentille. C'est drôle, elle écoute mes vidéos. Fait que ça faisait drôle. T'sais, on dirait qu'elle me connaissait plus que je la connaissais. Fait que, tu sais, mon père m'en a beaucoup parlé, là, mais tu sais, je trouvais ça drôle quand même. Puis elle connaissait Banjo, hein? Banjo, il l'aimait full. Il est un petit peu réticent des fois avec les inconnus, mais il l'aimait vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, c'était vraiment super plaisant. Puis la fondue, c'était vraiment bon. J'ai complètement oublié de tout vous filmer. Écoutez, j'étais bien trop dans le moment. J'avais du plaisir, hein? Puis c'était bon. Elle avait apporté comme plein de nouvelles petites idées. Elle avait comme
Elle avait acheté des lanières de bœuf mariné qui étaient vraiment bonnes. Sinon, il y avait un... Comment ça s'appelait? Oh, j'ai perdu le nom! En plus, on l'a tellement dit. Un genre de prosciutto là, italien, mais c'était vraiment trop, trop bon. C'était vraiment meilleur que du prosciutto, je trouvais. Puis un bon saucisson aussi, elle avait apporté des desserts. Fait qu'en tout cas, écoutez, je suis pleine. Je vais aller prendre une bonne douche chaude juste comme pour m'aider à digérer. Puis, ben c'est ça, c'était vraiment le fun. Après, puis avant ça, on est allé prendre une marche avec Banjo. Pour parce que j'aime ça un petit peu prendre une marche. Là, je pense qu'on va faire cette routine-là avant de rentrer chez les personnes. Comme ça, au moins, il est comme content de voir le monde. Puis, il gaspille son énergie en marchant. Puis, il était l'enfer, là. Il était tellement mal élevé, je trouvais. Quand on marche, justement, avec des nouvelles personnes, il est énervé. Puis, dans les nouveaux endroits aussi, c'est normal, là. Tu sais, il sent un petit peu le territoire et tout. Puis, il tirait. Il arrêtait pas de tirer, là. J'étais, voyons, Colin, là, je vais avoir le bras raqué demain. Mais, c'est ça, c'est normal. Tu sais, c'est comme, c'est pas sa petite routine habituelle. Puis c'est ça, après ça on a jasé, on a mangé, puis c'était bien plaisant. Fait que sur ça, je vais mettre fin aux vidéos parce que je vais prendre ma douche tranquillement, je suis fatiguée. Je vais peut-être commencer le montage de mon vlog. Puis c'est pas mal ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on se revoit très bientôt. Bye!